Samedi 16 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal sur TV Plus Madagascar. Voici donc les titres de nos informations de ce soir. Le Forum national sur l'alimentation scolaire a décidé de promouvoir les produits locaux en matière d'approvisionnement. Des partenariats solides devraient être tissés entre les agriculteurs, les écoles et les parents d'élèves pour pouvoir réaliser ce changement. Cette initiative vise à développer les économies locales d'après les informations reçues. À cause de l'exposition extrême de Madagascar aux aléas climatiques et sa grande vulnérabilité aux effets du changement climatique, Madagascar a été sélectionné pour la mise en œuvre de l'initiative globale du secrétaire général des Nations Unies relative au système d'alerte précoce pour l'année 2022-2023. Ces dernières années, un projet lié au système d'alerte précoce avait déjà été mis en œuvre dans différentes régions du pays, permettant de sauver de nombreuses vies. La discipline de lutte est en pleine préparation des Jeux Olympiques 2024 de Paris, les Jeux Olympiques étant une compétition d'envergure internationale. Il est donc nécessaire que les responsables gouvernementaux constituent à soutenir les athlètes lors des regroupements pour que ces derniers puissent obtenir de bons résultats, selon les déclarations du président de la Fédération malgache de lutte. 6 jours après la violente inondation qui ont dévasté la ville de Derna en Libye, des milliers de personnes sont toujours portées disparues, tandis que le Liban humain reste incertain. Sur le terrain, les ONG décrivent une situation chaotique et appellent à une urgente coordination de l'aide. À l'une de l'actualité, 3 personnes ont été arrêtées à Betiouk Sud pour prélèvement de globes oculaires et trafic de personnes atteintes d'albinisme. Elles étaient en quête d'acheteurs de leur macabre butin quand elles ont été repérées, d'après les explications. Les informations étant parvenues à la gendarmerie de Betiouk Sud, cette dernière a mis en place une stratégie d'action, une coopération avec la population locale et le DINABE a été instauré afin de pouvoir enclencher les recherches. Ces 3 individus ont donc été arrêtés. Un colis suspect en leur possession, une boîte tapissée de coton qui renfermait quelque chose d'étrange a été saisie par les forces de l'ordre. Les constats ont révélé que c'était des globes oculaires humains, selon toujours la compagnie de la gendarmerie de Betiouk Sud, qui encourage le partage d'informations afin d'accélérer les interventions pour permettre l'arrestation des malfaiteurs. Tous les efforts sont entrepris en matière de lutte contre les enlèvements de personnes atteintes d'albinisme et contre le prélèvement de globes oculaires humains, selon toujours les précisions. Le Forum national sur l'alimentation scolaire a décidé de promouvoir les produits locaux en matière d'approvisionnement. Des partenariats solides devraient être tissés entre les agriculteurs, les écoles et les parents d'élèves pour pouvoir réaliser ce changement. Cette initiative vise à développer les économies locales d'après les informations reçues. Ce forum prévoit également l'exécution d'un programme d'alimentation scolaire pérenne. Reportage de Interl Larsou sur les images d'Omega Ranevzon. L'alimentation scolaire via les cantines scolaires fait partie des moyens essentiels et efficaces de lutte contre l'abandon scolaire. Cette initiative permet de motiver les élèves qui fréquentent les écoles primaires publiques à venir en classe
surtout ceux habitant dans les zones enclavées. Afin de baisser le taux d'abandon scolaire, la pérennisation des cantines scolaires s'avère importante. C'est dans cette optique que le Forum national sur l'alimentation scolaire a décidé de mettre en œuvre des changements en matière d'alimentation scolaire à Madagascar. Effectivement, à Madagascar, pour le moment, l'alimentation scolaire, ça se fait surtout dans le sud, puisque c'est la zone plus fragile où on a eu pas mal de crises alimentaires. Donc, c'est 1 200 000 enfants qui profitent dans ce moment du programme. Mais l'idée, c'est de pouvoir l'étendre à d'autres zones qui aussi souffrent des crises alimentaires, comme l'Est et l'Ouest. Par ailleurs, ce forum a également décidé de promouvoir les achats en circuit court, c'est-à-dire des achats tournés vers les produits locaux pour l'approvisionnement des cantines scolaires. C'est un forum d'intérêt national, mais au-delà de Madagascar, parce que ça révèle l'importance de ces programmes d'alimentation scolaire dont à bénéfice les enfants, mais surtout aussi les communautés en général. Il y a les parents, il y a les petits producteurs, il y a les associations de femmes, comme vous voyez derrière moi, et il y a tout un univers qui se met à travailler grâce à l'alimentation scolaire. Les participants à cette réunion ont aussi exigé l'amélioration de la santé et de l'hygiène scolaire. À cause de l'exposition extrême de Madagascar aux aléas climatiques et de sa grande vulnérabilité aux effets du changement climatique, Madagascar a été sélectionné pour la mise en œuvre de l'initiative globale du secrétaire général des Nations Unies relative au système d'alerte précoce pour l'année 2022-2023. Ces dernières années, un projet lié au système d'alerte précoce avait déjà été mis en œuvre dans différentes régions du pays, permettant de sauver de nombreuses vies. Grâce à ce projet, Madagascar a enregistré le plus faible nombre de décès et les dégâts les moins importants parmi les pays traversés par le cyclone tropical Freddy. Le système d'alerte précoce vise en outre à assurer que chaque habitant de la planète y ait accès d'ici 2027, d'après les explications recueillies par Elisa Herman et Eric Renefson. Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Six cyclones avaient touché le pays sur une période très courte en 2021. 2022 n'a pas été en reste. Ces cyclones ont laissé des dégâts qui perdurent encore jusqu'à maintenant. Le système d'alerte précoce est donc très important pour la population et pour l'économie du pays. Au niveau mondial, l'Organisation météorologique mondiale et le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques ont été désignés pour la piloter et soutenir les pays sélectionnés, tels que Madagascar entre autres. Ce plan d'action se concentre plus précisément sur la connaissance des risques, les observations et prévisions, la dissémination et communication ainsi que la préparation. Ce n'est pas seulement face aux catastrophes naturelles que le BNGRC, Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, a un rôle à jouer, mais il a également des responsabilités en matière de préparation au changement climatique, selon le directeur du BNGRC, pendant l'atelier de consultation nationale sur le démarrage du système d'alerte précoce co-organisé par le BNGRC, la Direction générale de la météorologie et le système des Nations Unies. L'opération de lancement du registre social unique à Madagascar commencera dans les districts d'Ampani et de Betiouk, a indiqué le directeur général chargé de la protection sociale lors d'une conférence de presse. Le registre social unique contenant toutes les informations sur les familles de Madagascar sera utilisable à terme. Ce nouveau registre permettra d'éviter les inexactitudes, notamment les omissions ou les doublons de noms lors de l'enregistrement des informations en vue des distributions d'aide sociale. Il permettra également de faciliter la coopération avec les partenaires sociaux. Les précisions tout de suite avec Sainte-Atalante-Nirnien. Madagascar lance son registre social unique et reçu à travers l'opérationnalisation de quelques sites pilotes dans la région d'Atsimo-Ndefana, principalement dans les districts d'Ampani
et de Betiouk ciblant au moins 60 000 ménages vulnérables pour l'année 2023. Son expansion progressive sera assurée pour qu'en 2024, la majorité de la population vulnérable puisse être enregistrée dans le RSU et pour qu'en 2030, toute la population malgache y soit enregistrée. Le RSU est un outil stratégique de coordination des programmes sociaux. Sa mise en œuvre consiste à mettre en place une base de données dynamique et interopérable des ménages potentiellement nécessiteux pour faciliter l'utilisation des informations à des fins de ciblage de manière sécurisée. Le Fonds d'intervention pour le développement ainsi que le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme reçoivent beaucoup de plaintes concernant des lacunes présentées par les registres sociaux actuels qui accentuent les risques de corruption pendant la distribution des aides sociales. Le RSU va non seulement éviter ce genre de corruption, mais aussi fournir des informations pertinentes et actualisées qui serviront de base pour élaborer des politiques plus ciblées et efficaces, ainsi que pour allouer les ressources de manière plus équitable. La mise en place du RSU est une initiative de l'État malgache, coordonnée par le ministère de la Population, sera conçue pour inclure une large gamme d'informations socio-économiques permettant une compréhension holistique des besoins des différents groupes sociaux. Après son lancement dans le district d'Ampani et de Betiouk, tout Madagascar sera intégré par la suite dans le RSU. La réalisation de projets de développement au sein de la commune d'Ambuibao Atsimu dans le district de Manzakandine grâce aux subventions a encouragé les habitants à payer leurs impôts. Une nette augmentation de taux de recouvrement des impôts a été en effet enregistrée dans la commune d'Ambuibao Atsimu située dans le district de Manzakandine selon le maire de cette commune. Les sensibilisations continuent pour mobiliser les habitants à payer leurs impôts. Récit de Sibela Radimazav sur les images de Fitch Andjemananzar. La commune d'Ambuibao Atsimu du district de Manzakandine fait partie des collectivités décentralisées qui bénéficient de l'aide du gouvernement grâce aux subventions. Avec l'aide de l'État estimée à 30 millions d'ariary alloués à toutes les communes, le maire doit faire le nécessaire pour inciter les contribuables à payer les taxes et les impôts afin de pouvoir faire fonctionner normalement la commune. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, le taux de paiement des impôts par les résidents dépasse déjà les 30% en hausse par rapport à l'année dernière. La sensibilisation des résidents à s'acquitter des taxes est toujours maintenue, selon le maire d'Ambuibao Atsimu. En fin d'année, la commune publiera le bilan y afférent. Néanmoins, tous les projets de développement prioritaires de la commune seront implémentés pour que la population puisse constater de visu les utilisations du budget de la commune et inciter ceux qui ne l'ont pas encore fait à payer leurs impôts. Rubrique sport. La discipline de lutte est en pleine préparation des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Les Jeux Olympiques étant une compétition d'envergure internationale, il est donc nécessaire que les responsables gouvernementaux continuent à soutenir les athlètes lors des regroupements pour que ces derniers puissent obtenir de bons résultats, selon les déclarations du président de la Fédération malgache de lutte, recueillies par Romy Armanen sur les images de Fitch Andjemananzar. Les lutteurs malgaches ont prié lors des compétitions des 11e Jeux des îles de l'Océan Indien en remportant 8 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Ce résultat a pu être obtenu grâce au soutien de tout un chacun, notamment du gouvernement, à travers la désignation de ministres coach spécifiques à chaque discipline. Après les Jeux des îles qui ne sont qu'une étape de plus de franchie, les athlètes de la discipline de lutte s'apprêtent déjà à se battre pour obtenir leur ticket pour participer aux Jeux olympiques de 2024 qui se tiendront à Paris, selon le président de la Fédération malgache de lutte. Fin septembre, le regroupement des lutteurs malgaches démarrera pour les préparer aux compétitions de qualification comptant pour la zone Afrique du début de l'année 2024. Par contre,
La Fédération malgache de lutte sollicite le maintien de la stratégie d'appui de la part du gouvernement malgache, notamment pendant les regroupements des athlètes, pour qu'ils puissent obtenir de bons résultats et gagner leur ticket pour les Jeux olympiques de 2024. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé la dissolution du parti de l'opposant Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. La décision a été justifiée par le ministre de l'Intérieur sénégalaise suite aux appels fréquents à des mouvements insurrectionnels qui ont fait, selon lui, de nombreux morts en mars 2021 et en juin 2023. Maître Saïd Larifou, président du parti Ridja Pak Actef, patriote africain des Comores pour le travail, l'éthique et la fraternité, est venu à Madagascar pour faire entendre sa voix et apporter son soutien du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Propos recueillis par Abraham Azaf sur les images de Eric Ranefson. Il nous a semblé tout à fait normal pour venir attirer l'attention des missions diplomatiques en poste ici, que le processus électoral qui est engagé aux Comores est complètement irrégulier et entaché des graves anomalies au regard à la constitution comorienne et au regard également aux engagements internationaux des Comores. Tenir cette conférence de presse ici à Madagascar pour alerter nos partenaires qui se sont à juste titre engagés pour aider les Comores à tenir des élections libres, démocratiques, inclusives, que c'est tout à fait normal. Et il y va même de l'intérêt de notre pays d'être soutenu par ses partenaires pour la tenue de ces élections. Mais le processus qui est engagé actuellement, s'il est maintenu, n'aboutirait pas à des élections libres et démocratiques et inclusives et transparentes. Actualité internationale, 6 jours après les violentes inondations qui ont dévasté la ville de Derna, en Libye, des milliers de personnes sont toujours portées disparues, tandis que le bilan humain reste incertain. Sur le terrain, les ONG décrivent une situation chaotique et appellent à une urgente coordination de l'aide. France 24. On voit sur le tarmac de l'aéroport de Al Abraq l'arrivée en continu de cette aide internationale. On vient de voir l'arrivée d'un avion égyptien. Sur cet avion, il y a un hôpital entier, un hôpital de campagne. Il y a aussi quelques heures avant, dans cette matinée, il y a un avion russe qui a débarqué ici. Donc tout le monde s'active pour pouvoir présenter ou offrir cette aide essentielle pour la population libyenne et surtout pour le gouvernement ici, le gouvernement de Haftar, qui est un peu dépassé par cette situation vu le manque des moyens. Donc l'aide arrive. Maintenant, il faut organiser l'arrivée de cette aide sur cette zone qui s'est rendue hyper difficile en ce moment vu les conditions après le passage de la tempête Daniel. On parle des milliers de disparus, des milliers de blessés qui se trouvent sur zone en ce moment, et les secours s'activent pour arriver au plus vite sur zone. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 19h30, c'est notre prochain rendez-vous dans Niveau Vaux, bien sûr, sur TV Plus Madagascar. À tout de suite.